Bonjour, déjà je m'appelle Maïssa Benama. Je suis footballeur professionnel à l'AS Monaco depuis 3 mois. Mon parcours, j'ai commencé à Tournor dans un club dans l'Indre-et-Loire, dans le 37. Après, j'ai continué de U11 à U15 à Saint-Cyr-sur-Loire. Et pendant ces 5 années, j'ai pu intégrer le pôle espoir de Châteauroux de U13 à U15. Et aujourd'hui, je suis à Monaco. Déjà, c'était un honneur d'intégrer le pôle espoir de Châteauroux. On fait des tests, les meilleurs joueurs du Centre Val-de-Loire. Et c'est un plaisir pour moi de faire partie des 20 meilleurs. Et après, le pôle espoir, c'est un cadre exceptionnel. Parce que ça nous montre le chemin du haut niveau. Chaque jour, on s'entraîne, on doit bien manger, on doit aussi bien travailler à l'école. C'est important. Je trouve le pôle espoir, c'est très important entre la pré-formation et le centre de formation. Parce que déjà, ça nous aide à avoir la vie du centre de formation, comment ça se déroule, prendre le rythme de s'entraîner chaque jour et d'avoir une hygiène de vie correcte, de dormir tôt, de bien manger et d'enchaîner l'école et le sportif. Du coup, pour moi, c'est primordial. Moi, j'ai déjà eu le bac. J'ai déjà eu là, il y a 2 mois. C'était à Monaco, c'était facile. Parce qu'on avait bien le côté sportif et scolaire. Et on avait énormément d'aide le soir à l'étude. Les profs qui venaient en plus. Et comme moi, l'année dernière, j'étais déjà sur place avec la réserve, j'étais pas souvent là. Ça veut dire quand j'allais en déplacement, j'avais du travail à faire. Et quand je revenais, je rattrapais le cours le soir. Et puis voilà. Oui, moi je trouve que c'est très important. Parce que déjà quand on est jeune, c'est vrai qu'on n'aime pas trop l'école, mais c'est très important. Une carrière, ça ne dure que 10 ans. Et après, il faut trouver un autre métier. Et je trouve que c'est important. Déjà de bien travailler à l'école. Parce que dans chaque génération, dans les 20, il y en a très peu qui signent. Et ceux qui arrivent au niveau qui signent pro, c'est compliqué. Dans ma génération, on était 20. Aujourd'hui, qu'on signe pro, on est 2. Du coup, il ne faut pas lâcher l'école, il faut continuer et il faut respecter le rang. Dans la vie de tous les jours, moi j'ai 2 joueurs, c'est Modric et Kanté. Kanté, pour son volume de jeu, son agressivité et son calme qu'il a sur le terrain et même en dehors. Et Modric, par sa qualité de passe et le niveau qu'il a. Ça a été une fierté. C'était une fierté parce qu'il n'y a pas tout le monde qui peut porter le maillot bleu et rouge. Et du coup, c'est une fierté, hein, c'est plus une fierté. Déjà, ce rassemblement, c'est une qualification pour l'Euro. Ça veut dire on est ici pour se qualifier. On a réussi avec les 2 premiers matchs à se qualifier. Maintenant, on va aller chercher la première place. Et après, ce qui change entre ici et Monaco, c'est les meilleurs de France, c'est-à-dire il y a plus de niveau, plus d'intensité, mais sinon c'est toujours le même cadre, c'est la discipline, le travail, le sérieux. Le bilan de ce rassemblement, il est positif, même s'il n'est pas fini. Déjà les 2 premiers matchs, on a su se qualifier, on a fait le plus dur. Maintenant, il faut aller chercher la première place. Si on va chercher la première place, on tombe dans le chapeau 1. Dans le chapeau 1, on peut tomber contre des équipes soi-disant moins fortes que dans le chapeau 2. En sélection, d'être sélectionné encore, de pouvoir apporter ce que je peux apporter à l'équipe.
et en club d'essayer de jouer mes premières minutes en professionnel. Déjà je tiens à remercier l'Étoile Bleue de Saint-Cyr-sur-Loire, le travail que fait Amoumouri à Saint-Cyr qui est très bien. En plus je vois énormément de jeunes de Saint-Cyr qui rentrent au Pôle Espoir de Châteauroux. Et après je tiens à remercier Laurent et Ibou qui est parti. Et je veux passer un message à sa famille, soyez forts et qu'il repose en paix.